Aujourd'hui, je te présente un autre produit de la trousse, la tasse Eco. Donc, pourquoi la tasse Eco? Non, premièrement, il faut que tu saches que au quotidien, les gens vont se prendre un café. En général. Bon, mon chum, c'est une exception, il n'aime pas le café. Mais on s'entend que la plupart des gens, des Canadiens, des Québécois, on adore le café et ça fait partie de notre routine du matin. On se le cachera pas, souvent, on est un petit peu pressé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, au lieu de se faire son café maison, on va aller faire la file à l'auto. OK. Pas sûr que tu vas sauver du temps parce que souvent maintenant, c'est plus vraiment du fast-food, c'est rendu du slow-food. Tu vas passer un 10-15 minutes à faire la file dans le drive-thru. Ensuite, tu vas pouvoir récupérer ton beau café tout chaud. Que tu vas avoir payé combien? Prenons la calculatrice. Mettons que tu prends un café, que tu te limites à un café du lundi au vendredi, puis que tu payes en moyenne un 5 $. Peut-être un peu plus si tu es fancy puis que tu vas au Starbucks, mais mettons, OK, un 5 $. En moyenne, il y a 21 jours par mois de semaine, donc 21 fois sur une année, donc fois 12. Et sais-tu combien tu dépenses en café par année pour un café par jour du lundi au vendredi en allant travailler? 1 260 $. Et moi, je préfère l'option que moi, j'ai ma machine à café. J'ai mon café et je peux tout simplement me faire une bonne tasse de café le matin. Juste pour faire un comparatif, regardons combien ça nous coûte. Mettons à peu près, là, approximativement 50 sous pour une tasse. 50 sous fois 21 fois 12. Oh ben, 126 $! 126 versus 1260. On s'entend-tu que le choix, il n'est pas vraiment difficile? Dis-moi, là, avec un 1 000 $ de plus par année, qu'est-ce que tu ferais? C'est peut-être des petites vacances que tu ne pouvais pas te payer. Tout ça juste à cause d'un café. Puis là, on parle d'un café par jour. Imagine si tu en prends deux, puis tu en prends trois. Là, je dis pas qu'une fois de temps en temps, tu peux pas. Mais déjà là, ça fait ce bandage. Donc là, ta tasse éco. Pourquoi la tasse éco? Mais premièrement, sur le côté écologique, tu vas voir une différence. Ta petite tasse en carton, ta petite tasse en styromousse, bien, elle n'est pas recyclable malheureusement. Fait qu'est-ce qui arrive? Ta gare! Et ça se ramasse dans les dépotoirs. Savais-tu qu'on produit à peu près 70 tonnes de déchets par année en tasses, tout simplement? Promène-toi dans la ville puis regarde dans les poubelles. Tu vas voir, c'est principalement des tasses à café qui sont jetées. Pourquoi pas faire un petit geste au quotidien? Tu vas sauver ton portefeuille parce que tu vas économiser 50 sous au lieu de 5 $ par jour. Et en plus, ben, tu vas faire une différence au niveau de l'écologie. On s'entend, on veut léguer une belle planète à nos enfants et ça commence par soi en étant éco-responsable. Alors moi, mon rêve, c'est que tout le monde ait au moins sa tasse réutilisable écologique qui est faite justement de matière recyclée. Donc un beau geste pour l'environnement, un beau geste pour ton portefeuille, puis en même temps, ben, elles sont tellement belles, puis tu peux t'amuser avec les différents modèles, les couleurs, puis faire jouer à la Barbie, mais avec ta tasse éco. Alors, elle est 14 $ dans le kit de découverte au lieu de 18 $. Alors, ça vaut la peine de prendre les trousses. En plus, tu économises 25% sur tous tes achats pendant un an.